Depuis plus de 3 heures, il est bloqué au beau milieu des champs. J'ai un problème de GPS. Je venais de cette route. Et après le stop, virage à gauche et je me suis embourbé. Est embourbé à 800 mètres de là, sur ce petit chemin où il est impossible de faire demi-tour. Alors, par précaution, Laurent fait la route à reculons. Il pourra ainsi utiliser le treuil arrière du rotator, le plus puissant de tous. Malgré un grand virage et une route en partie verglacée, le dépanneur arrive à bon port. Mais c'est parti, on tire comme... Je le sentais bien chaud pour me donner un coup de main. Non. Après une petite hésitation, le jeune Polonais vient lui prêter main forte. C'est bon. Comme il est assez lourd, c'est quand même mieux. On peut le faire tout seul, hein, mais quand il y a quelqu'un qui donne un coup de main, c'est quand même plus agréable. L'intervention s'annonce assez simple. Laurent va tracter le camion par l'arrière. Pour ça, il doit passer sous le poids lourd. Allez, on va l'accrocher, la bête. Il va s'accrocher à l'un des essieux, une pièce très solide. Je mets deux points de tirage. Moi, je suis sûr du résultat. Reste à attacher les chaînes au treuil du rotator. Allez, on va moufler là-bas, vers le bas, et puis c'est bon. Ensuite, le câble du treuil est passé dans une poulie de mouflage qui permet de modifier l'angle de traction. Voilà. Au lieu de faire un angle, en fait, on tire vers le bas. Si j'aurais pas mis la moufle, en fait, on aurait levé, on aurait abîmé le pare-choc. On va mettre déjà en tension. Laurent a de nouveau besoin du chauffeur polonais. Allez, here we go. Monte dedans, tu vas diriger. Ouais. Et tu dois me dire ce que je dois faire. Tu vas tourner les roues. Vas-y, monte. Là, tu vas tourner un peu les roues. Voilà, comme ça. Small. Small, ok. No break. Good. Allez, on y va. Les 30 tonnes de puissance du treuil arrière entrent en action. Tout droit. À fond, à fond, à fond. Voilà. Le dépanneur guide le jeune chauffeur dans la manœuvre. Droit, droit, tourne. Non, l'autre sens. L'autre sens. L'autre sens. Voilà, comme ça. Encore à fond. L'autre sens, l'autre sens. L'autre sens. À fond, à fond, à fond. Voilà. Oh, perfecto. Le camion est tiré d'affaire, presque sans dégâts. Bah là, il y a un peu le pare-choc qui est abîmé. Donc ça, je vais l'enlever après. Je vais l'enlever tout de suite, d'ailleurs. Il n'y a pas de fuite. C'est bon. On va pouvoir repartir. Le chauffeur doit encore rejoindre la route principale. Laurent va l'aider en le guidant. Ok, ok, ok. Mais une fois de plus, la barrière de la langue ne facilite pas les choses. Faut que j'appelle ma mère pour lui demander. Est-ce qu'elle est polonaise ? Ouais. Non. Si. Pas d'origine polonaise. Très bien, good, good. Ok, ok. Vas-y, c'est bon. Okay. Mais tout à coup, sans prévenir, le chauffeur s'arrête net. Putain, je comprends rien. Il descend même de son camion. Vas-y. Attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'il fait? L'homme commence à déblayer la route avec ses pieds. Monsieur, monsieur,
On fera après, vas-y, on manœuvre. Il y a une pulsion. On va reculer le camion avant. On recule et après on freine. Après cette pause impromptue... C'est bon, tout droit. Ok, vas-y, vas-y. La manœuvre peut reprendre. C'est bien, c'est bien. Allez, on y va. Vas-y. Là, c'est pas bien. Plus par là. Ah ben, va pas dans le champ non plus. Hein. Arrive le passage délicat du virage. C'est bien, vas-y. Maintenant, tourne. Casse-toi, je... Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est pas bon, là. Laurent commence à perdre patience. Tout droit, maintenant, tout droit. Vas-y, gros. Oh, putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Bien compris. Oh. Voilà. Bravo. Allez, viens, recule. Un dernier obstacle avec ce lampadaire. Go, 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 go. Go, go, go. Go, 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 go. Et après une heure, ils voient enfin les portes de l'enfer se refermer derrière eux. N'est pas encore terminée. Il y a une semaine, les dépanneurs ont porté secours à un camion. Il n'est plus en état de marche. La société de transport dont il dépend vient aujourd'hui le récupérer au QG des dépanneurs pour le rapatrier. C'est un camion accidenté. À la demande de la société, parce que c'est un camion qui va partir en Turquie, ils nous demandent de charger le véhicule dans une remorque à eux pour pouvoir le rapatrier chez eux. Apparemment, un jeu d'enfant pour un dépanneur aussi aguerri que Landry. Mais il va rencontrer un sérieux problème. Pour pouvoir charger le véhicule de 7 tonnes, il utilise le double treuil télescopique du rotator qui peut lever jusqu'à 14 tonnes. Le plus difficile, c'est de trouver le point d'équilibrage. Donc souvent, le point d'équilibrage sur ce véhicule-là se trouve juste derrière la cabine. Donc on va le lever, on va lui faire faire demi-tour parce qu'ils veulent le charger dans l'autre sens. Et puis on va le recharger par au-dessus, quoi, tout simplement. Simplement, c'est ce que croit Landry. Une fois le camion levé, le conducteur le fait pivoter à 180 degrés pour l'aligner avec la remorque. Et c'est là que les affaires se corsent. J'essaie de faire entrer un camion de 2,50 m de large dans une remorque qui fait 2,40 m intérieur, donc c'est jamais trop facile. J'essaie de guider au mieux le camion pour qu'il reste le plus droit possible et essayer de le faire entrer au mieux sans trop l'endommager. Incroyable, la remorque est plus petite que le camion qu'elle doit transporter. Alors forcément, Landry galère. Le risque que la remorque casse à cause de la taille du poids lourd. Il faut l'écarter un peu pour que ça passe. Je suis en train de tirer parce qu'il est juste et sinon il passe pas. Le camion descend doucement, mais tout à coup, il se bloque. Les roues arrière ne passent pas. Elles butent contre la structure de la remorque. Landry doit changer de tactique. Et il opte pour une solution radicale. Enlever les montants. Le camion peut maintenant se poser sur le plateau, mais il passe au millimètre près. Mouvement de travers et il pourrait chuter. Là,
Là, on va le poser et le centrer au maximum. Mission accomplie. Le camion est chargé. C'est rentré avec difficulté, mais bon, c'est rentré. Il ne reste plus qu'à fixer à nouveau les montants de la remorque. Et à régler un dernier détail. Si le camion était trop large, il est aussi trop haut. Mais là, la solution est vite trouvée. En fait, ils veulent dégonfler les pneus pour gagner de la hauteur et essayer de refermer la remorque au niveau de la hauteur. Bah, ils vont gagner au moins 10 cm de hauteur. Et 10 cm pour eux, c'est beaucoup. L'opération touche à sa fin. Grâce à Landry, le camion va pouvoir partir en Turquie où il sera réparé. Une intervention parmi les 450 que réalise Landry en moyenne chaque année.